Hey, salut, bon matin, j'espère que ça va bien. Puis je remercie le nouveau follower que j'ai vu apparaître. Donc, Island, merci beaucoup pour ton follow. Donc, 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 hey, j'espère que vous passez une belle soirée, que vous avez passé un bon début de semaine, un bon lundi, etc. Hey, je vais vous inviter à en profiter en masse, en masse, étant donné que ça va vraiment être le dernier live de lecture, en fait, pour un. Pour ce ben, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai dit c'est le dernier. Non, ce sera pas le dernier. En fait, c'est que là, comme vous pouvez le constater, dans mon décor, il y a des choses qui sont vidées, je déménage. Donc euh, Donc c'est ça. Je déménage. Et ce faisant, ben. Euh, je ne je n'aurai pas vraiment le temps de lire étant donné que j'ai pas mal pacté tout ce que j'avais de lecture. Donc euh, je, je, je verrai. Je vais peut-être trouver quand même le temps de faire de la lecture un petit peu. Mais normalement je ne fais même aucun autre podcast. Même les autres jusqu'en mars. Je pense qu'en fait, même je vais reprendre les, les, le prochain live de lecture. Ce sera salut midi. Je pense que le prochain live des reviews de lecture, ça ira pas avant le mois d'avril pour les lectures du mois de mars probablement. Ça va prendre du temps, mais sinon, normalement, je vais regarder pour essayer de reprendre les autres podcasts en mars quand même. Genre, ah, oh, ça va bien, ça va bien. J'ai passé un beau lundi, j'avais une petite journée, j'étais au gym, j'ai fait des commissions, puis j'ai packé du stock en masse. J'ai décroché du stock aussi. Toutes mes décos qui étaient là sont enlevées. L'étagère qui est là est enlevée. Celle-là en arrière, pareil aussi. Il reste juste celle-là ici que j'ai partiellement enlevée. Mais tu sais, j'ai laissé un petit peu de stock dans le décor là. Tu sais, si on regarde correctement, là, ça ressemble pas mal à ça en ce moment, l'arrière de moi là. Il y a la tasse de l'armadais donc qui tient les livres de Percy Jackson. Euh... Puis euh, il reste mes chevaliers d'émeraude en haut. J'ai remis les petites décos à mi pour l'instant tant que je les ai pas rangées. Mal ça. Là, il y a les livres de JDA. Le vidage avance vite. Oui, je vois ça, ça fait vite du coup maintenant. Oh, ben, j'ai 20 boîtes en ce moment dans ma pièce. J'ai 20 boîtes. Alors, avec du stock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, c'est ça, 21. J'ai inclus les boîtes de console là-dedans. Je déménage quand, ben, officiellement, pour le 1er mars, mais tu sais, je vais vider un peu puis je vais. Je vais aller porter du stock un petit peu Je vais aller en porter ailleurs. Fait que euh, je vais, vais m'organiser avec ça, aller porter ça, euh, ça. J ben, ailleurs. Ailleurs, slash, chez mon nouveau coloc. Que de toute façon, son appart, sa chambre est déjà disponible. Fait que je vais aller pacter ça là. Puis la, le seul enjeu que j'ai, en fait, ça va être de démonter ce bureau là de, sur lequel je suis. Mon PC, puis le ranger, c'est pas grave. Mais tu sais, juste sur l'ordre démonter ça. Que je le remonte là-bas. Que je le nettoie les étagères pareil. Mais les étagères ils rentrent dans mon nouveau char. Fait que ça, ça va. Le vrai en jeu, ça va être mon matelas. J'ai acheté deux couvre-lits au cas où que besoin de le sangler sur le toit puis que je parte en gros redneck pour que justement ça le recouvre puis que ça salisse ça pas. Là. Fait que à peu près ça. Deux couvre-lits blancs pour, euh, pour m'en sauver un peu. T'auras assez de place pour toutes tes affaires là-bas, pas toutes. Pas tout, ma, la télévision que vous voyez en arrière des caisses, là, là, en arrière de la, des caisses Offix là, euh, derrière, c'était pour là. Il y a une TV. ben ça, ça rentrera pas parce que j'ai pas de place pour... Fait que, hey, je vais rapporter chez mon père avec le meuble de TV pour pas m'en débarrasser pour quand je vais partir seul. Je tiens quand même à la garder, pas vendre ça, je veux dire, ça, ça reste du bon stock. Euh, sinon, mes mini tables... Euh, tu j'ai des petites tables... Euh, j'ai des petites tables que j'ai démontées. Je les ai mises là euh, sur un bac avec quelques cadres euh, par-dessus c'est ça, vais... ça, je vais regarder si je peux les rentrer. Mais ça se peut que je puisse pas. Fait qu'au pire, je vais... je vais les entreposer ailleurs. Je vais les laisser démonter. Puis j'y remontrer quand j'en aurai de besoin. De quoi de même. Là. Ça, sinon, il euh, y a des petites tables de chevet dans le salon. Que ça, facile à... ça va être facile à transporter sans trop de problèmes. Bref, euh, bref. C'est à peu près ça. J'ai libéré. J'ai un petit classeur ici, juste en dessous. Euh... En tout cas. Bref, une coupe d'affaires comme ça. Fait que bon, bon ça c'était la petite intro déménagement <laughs> c'est à peu près ça fait que ben maintenant je vais en profiter donc euh, je vais en profiter parce que je vais y aller avec les six livres que j'ai eu le temps de lire malgré tout en, en janvier en fait là donc euh, j'en ai profité j'ai fait un mois où je lisais les livres que j'ai reçus pour Noël et que je lisais également les livres qui m'avaient été prêtés depuis un bout de temps puis que je n'avais pas pu j'en ai mis il y en avait quatre correspondaient à ça puis sinon, je me suis trouvé deux autres livres à lire pour justement en rajouter un petit peu sur le sujet. Ça me fait penser d'ailleurs que je vais ouvrir mes notes de lecture, justement. C'est ça, ça me fait penser que je vais ouvrir mes notes de lecture. Donc, justement, le premier livre que j'ai lu s'appelle L'Ami imaginaire de Steven Juba. Je sais pas comment ça se prononce. Donc, je vous lis. La couverture est ici, donc euh, un livre qui m'a été offert par Jimin en fait, donc euh, un des cofondateurs de l'Armada des noms. Je l'en remercie d'ailleurs. C'est le deuxième livre de l'auteur et son premier livre, Le Monde de Charlie, a déjà été adapté au cinéma par l'auteur lui-même. Donc, qui est d'abord et avant tout euh, quelqu'un qui travaille dans le milieu du cinéma. On va pouvoir le constater. Quatrième de couverture. Une mère et son fils en cavale trouve refuge dans la petite communauté de Millgrove en Pennsylvanie. Mais dans ce havre de paix, le petit garçon disparaît. Quand il émerge de la forêt six jours plus tard, il en a l'air indemne. Lui seul sait que quelque chose a changé. La voix du bois est dans sa tête et lui dicte une mission. S'il ne lui obéit pas, sa mère et tous les habitants de Millgrove risquent de subir son courroux. Après le succès planétaire du monde de Charlie, Steven Jubaski nous entraîne dans un roman sombre et captivant où le surnaturel, l'angoisse et l'horreur s'invitent à chaque page. Donc voilà. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Comme je disais, l'auteur, à la base, c'est un cinéaste. Donc, il travaille dans le milieu du cinéma. Et ça se ressent dans son style d'écriture. Ça se ressent beaucoup, beaucoup. Ça pas à dormir avant d'aller dormir. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, ça se ressent beaucoup dans le style d'écriture. Je m'étais noté ça dans... Dans mes affaires. Mais en passant, en gros, en passant, c'est vrai. Une affaire... Euh une affaire bien importante aussi là. Euh, maintenant, euh, le Nightbot va vous publier une note. Je suis sur Goodreads. Maintenant, vous pouvez lire mes reviews des livres que je lis. Je commence à écrire mes reviews à mesure. J'ai pris le challenge 50 livres cette année. Donc, euh, désormais, vous allez pouvoir lire mes révisions de livres publiquement, donc en dehors de mes notes de lecture parce que tu sais, j'ai un ressenti, je sais pas. Mes notes de lecture sont un petit peu plus séparées, mais si vous voulez juste une vision générale avec une note en étoile aussi sur 5, ben sur Goodreads, j'ai tout ça. Fait que s'il y en a qui ça intéresse, je suis là-dessus. Vous pouvez trouver le lien dans mon Link Tree que j'ai mis dans la ma bio, mais ça va apparaître avec le Nightbot aussi éventuellement. Donc voilà. Puis ça va être dans la description de la vidéo YouTube, bien entendu. Donc Steven Jiboski, comme je disais, c'est un scénariste de cinéma à la base et ça se ressemble beaucoup. beaucoup. Euh, mais je vais en parler un petit peu après. Je vais juste donner mon ressenti avant. Donc, dès le chapitre 2, mon premier ressenti, c'est que le style est très pauvre. Il y a la limite robotique. Il y a beaucoup d'énumérations qui ne semblent pas être liées qui ne semble être lié à pas grand-chose avec ce qui, est, ce qui a été dit avant. Puis là, je me suis gardé un petit affaire pour lire le début du chapitre 2. J'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû me noter la page du chapitre 2, par exemple. La première partie aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah! OK. Début du chapitre 2. « Ils sont en Pennsylvanie depuis une semaine quand ça se produit. La mère de Christopher lui a expliqué qu'elle a choisi Millgrove car c'est une petite ville sûre qui possède une excellente école primaire. » Mais tout au fond de lui, Christopher pense qu'elle a peut-être choisi cette ville parce qu'elle semble isolée du reste du monde. Une route nationale pour y accéder, une autre pour en repartir, entourée d'arbres. Ils ne connaissent personne ici. Et ici personne ne les connaît. Jerry ne pourra pas les retrouver. Grove est une super cachette. Il faut juste qu'elle trouve un travail. Tous les matins, Christopher regarde sa mère mettre du rouge à lèvres et se coiffer pour se faire belle. Il la regarde chausser ses lunettes chics et pester à cause du trou sous la manche droite de sa seule veste destinée aux entretiens. C'est le tissu qui est déchiré, pas la couture. Alors il n'y a rien à faire, à part mettre une épingle à nourrice et prier. Ok. C'était. Je sais que mon ton de voix avait l'air comme ça, mais je vous jure que quand je l'ai lu, je le sentais comme ça. C'était là. Voyons, Crip, c'est dommage, genre robotique, un peu. C'est comme. En fait, vraiment, j'avais dans ma tête la vision. J'avais vraiment dans ma tête la vision de l'auteur que ce qu'il est en train de faire, c'était décrire un scénario de cinéma, mais vu que c'était un livre, ben, il mettait toutes ces descriptions dans le même type de caractère, mettons tout en caractère normal, etc. Au lieu mettons d'avoir des phrases en italique qui décrivent l'environnement, puis les agissements des acteurs, puis ci puis ça, il a mis tout, tout dans la même affaire. J'ai vraiment cette impression là en fait que toutes les différentes écritures qu'il doivent avoir pour différencier ce qui se passe dans un scénario, ben différencier les répliques, de la mise en scène, puis de l'environnement, bref, etc. Ben moi, l'impression que j'ai, tout simplement, c'est juste que c'est genre... Pou, 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 on énumère tout. Genre, ah oh ben, il y avait ça. Puis là, il y avait ça. Puis là, il y avait ça. Et que déjà en partant, ça me tapait un peu ses nerfs. Donc, je me rends compte aussi que le placement de l'histoire est assez cliché, puis il n'y a rien de nouveau. Donc, un enfant en difficulté, malmené, qui va se sortir de son quotidien de merde par un événement dramatique. Grosso modo, c'est un classique pas mal dans les films d'horreur. Puis, on ressent beaucoup l'inspiration Stephen King, soit dit en passant. Donc, ça, c'est pour le début. Donc, dès le chapitre 2, je le ressens. Donc, je vais y aller avec un résumé. Donc, on a un petit prologue où ce qu'on parle d'un enfant qui s'appelle David. Puis, lui, on va en entendre parler plus tard. Mais, dans le fond, on raconte la disparition de David. Puis après ça, paf, à partir de l'autre chapitre, du chapitre 1, on est avec Christopher. Christopher et sa mère, donc, vivent dans un hôtel temporairement. Euh, la vie est très mouvementée, en gros. Euh, Jerry, c'est l'ex-mari de sa mère, dont elle se sauve parce qu'il est violent avec elle. Euh, le, le père de Christopher est mort depuis très longtemps. Euh, qui s'est suicidé dans sa baignoire apparemment donc euh, bref le gros drama euh, Christopher est dyslexique clairement euh, il est incapable de lire correctement il a beaucoup de difficultés à compter aussi il a de la misère à l'école il se fait intimider par quelqu'un il a juste un ami puis c'est un ami qui est spécial donc voilà c'est à peu près ça donc, euh, évidemment, ben, il y a la petite famille, le petit qui intimide, ben, il est issu d'une famille bourgeoise. Les parents ils ont de l'influence, ils sont avocats, puis ils ont des caractères de marbre bref, c'est vraiment des personnages très très clichés, je dirais. Puis, à un moment donné, paf, Christopher se fait appeler par une voix qui vient de la forêt, qui est derrière la nouvelle maison. Qui est derrière la nouvelle maison. Et euh, ben, il va disparaître pendant six jours, puis il va être retrouvé par une jeune chauffeuse. Qui est un personnage qui va réapparaître régulièrement dans l'histoire, Marie-Catherine. Euh, puis, ben, finalement, quand il va prendre ses cours, il est plus dyslexique, il est super bon à l'école, tout va bien. Sa mère gagne à la loterie, puis ils sont capables de se payer une maison, justement. Euh, pff, bref, c'est un peu ridicule, je vous dirais. <laughs> c'est ça. Puis finalement, la mission que Christopher va se donner, ça va être de construire une cabane dans un arbre. Et cette cabane-là va lui permettre d'accéder à un endroit qui s'appelle le monde imaginaire. Et l'ami imaginaire en question, ben, c'est la fameuse voix qui lui dit ⁇ Va dans le monde imaginaire ⁇ Voici ce qui se passe. Puis tout le long, il va l'appeler le, le gentil monsieur. Genre, comme si c'était quelqu'un qui voulait l'aider, finalement, ce qui va pas mal être le cas tout le long du roman. Et durant l'histoire, dans le fond, on va commencer à se rendre compte qu'il y a une espèce de diablesse. Qui s'oppose en fait à, euh, au gentil monsieur. Parce que son objectif c'est de sortir, en fait. Son objectif, c'est de. Ça, son objectif, c'est de sortir du monde imaginaire pour rejoindre la Terre, etc. Donc, grosso modo, ces deux entités là s'affrontent. Christopher est pris entre les deux un peu, puis... Christopher a le pouvoir d'utiliser, donc de rentrer dans le monde imaginaire, puis d'influencer ce qui se passe autour de lui. Puis il va développer aussi le pouvoir de quand il touche les gens, il comprend leurs sentiments, puis leurs pensées. C'est comme ça par exemple qu'à un donné, il va toucher le gars qui l'intimide, puis il va lui dire, ouais, euh, tu sais ce que ta mère a fait avec la niche du chien, là. Ah puis toi Jenny qui arrête pas de m'écœurer, euh, pourquoi tant peur de ton demi-frère Là on va apprendre que la mère abat ben, le petit garçon qui est intimidateur puis qui fait juste du déplacement sur l'autre. On apprend que le demi-frère de Jenny l'agresse, bref, sexuellement, bref, voilà. Donc des choses comme ça. Puis bon, il y a certaines règles à respecter, qu'il faut pas aller dans le monde imaginaire de nuit parce que c'est là que les monstres sont. Parce que dans le fond, les amis imaginaires là-dedans existent. Puis le monde imaginaire, en fait, ce sont les cauchemars des gens. Donc pendant la nuit, ils peuvent influencer les actions des gens via les cauchemars tout simplement puis si tu y es sensible ben encore plus puis l'objectif donc des monstres du monde imaginaire c'est vraiment de garder tout le monde endormi de provoquer des accidents des chaos etc donc voilà grosso modo donc ça c'est pour le résumé et il y a une suite à la fin euh, qui est teasée via les dernières phrases euh, mais tu sais ce que j'ai dit donc euh, c'est que s'ils font une suite ça va être une catastrophe donc voilà que je, donne, je continue avec mon ressenti après le résumé. Genre, page 168-169. « Beaucoup de cynisme soudain de l'auteur sur l'hypocrisie du bénévole. J'ai l'impression que l'auteur a un vécu relié. Ce même cynisme est présenté à la page 316 quand Kate analyse de loin Brady Collins qui vient juste d'intimider et de battre Christopher. » Donc, en gros, euh, l'auteur en profite pour envoyer des petites pointes de cynisme. Un peu comme Stephen King fait quand il fait des critiques de la société indirectement à travers ses romans. Sauf que là, c'est vraiment très direct. Genre, il n'y a pas de métaphore. Genre, C'est pas subtil du tout, du tout. Je, je, ok, j'apprécie, mais je vois pas l'intérêt pour l'avancement de la narration dans l'histoire. Vu que c'est juste un petit ajout par-dessus et non pas le cœur de l'histoire qui raconte ce message-là, c'est un peu différent. T'sais, par exemple, mettons là dans le livre Ça de Stephen King, il y a une scène au début où il y a un homosexuel qui se fait malmener puis tuer par des gens. Puis finalement, ben, euh, finalement, le clown Gripsou finit par achever l'homosexuel qui a été agressé. Euh, bon, dans les années 50, on se dit, OK, c'est normal, on place une mise en contexte, ça sert à, tu sais, d'abord tu places quand ils sont enfants, comme le clone est apparu, puis là, quand ils sont adultes, c'est quoi le premier signe de sa réapparition, puis ça fait un peu partie de la narration, puis on en profite pour ajouter un message avec ça, fait que ça s'inscrit bien, puis on comprend la critique que Stephen King fait envers euh, les gens qui traitent mal les homosexuels, même à son époque. Mais ben, ça, c'est une chose. L'ennui, c'est que là, c'est juste vraiment random, c'est très, très mal amené. Donc, euh, à peu près ça, je vais te coucher. Bonne nuit, il fait tard en France. Il n'y a pas de problème, bonne nuit, mystérique. Donc, finalement, donc, je continue. donc Lors du prologue, on y fait un autre enfant qui a été porté disparu depuis des années. Et cela se passe 50 ans avant le livre. Lorsqu'on découvre quel personnage est encore vivant dans le présent et qui était relié au personnage de l'intro la surprise est très bien amenée une belle réussite narrative et je crois que son talent est davantage dans la préparation des surprises et des retournements inattendus de situations que dans l'écriture puis ça c'est la force du livre ok parce que outre le fait que le style d'écriture est très faible puis qui est influencé par la scénarisation de cinéma puis que des fois il y a des choses maladroites ce qu'il y a bien une chose qui a réussi à faire dans le livre en général c'est de nous nous avoir avec des retournements de situations auxquels on s'attendait pas donc euh, tu sais euh, on sent la déformation professionnelle beaucoup, beaucoup qui vient du cinéma, puis son livre respecte quand même les codes du roman, mais il est capable de nous surprendre avec des choses inattendues. Donc, par exemple, là, quand tu découvres que le monsieur est guéri dans une maison de retraite, c'est le frère du petit enfant qui a disparu dans le prologue, puis que ça fait genre 50 ans à peu près que c'est arrivé, là, tu te dis « Ah, ok, 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 là, ok, là, c'est bon. » Fait que là, tu construis à partir de ça, puis es satisfait. Et là, le rythme commence tranquillement, pas vite. À partir de cet événement-là, là, on maîtrise le rythme. Là, ça va bien. Euh, le style, bien qu'il n'ait pas changé, ça pourrait être beaucoup mieux à l'action. Il y a un enchaînement de complications, beaucoup. Euh, il y a de la tension. Là, ça fonctionne. Donc, vraiment, là, comme dans un film d'action, en fait, ça, là, c'était super bien réussi. Puis, je me disais, adapté au cinéma, ça va être du génie. Ça fonctionne super bien. Puis là, paf! Page 800 arrive le revirement de situation de marde, mais vraiment de marde. Je veux pas le spoiler parce que je pense qu'un jour il va y avoir une adaptation cinéma de ce film là et je pense que l'adaptation cinéma pourrait être très bonne et ça ne devrait pas être spoilé pour cette raison là. Puis ça gâche un peu l'expérience de de, de de le savoir en avance parce que le reste du film est bon. Puis ça a un impact. Je veux dire, je peux pas, je peux pas trop en dire pour pas spoiler, mais en gros à la page 800, il y a un revirement de situation qui est complètement inattendu, qui sort de nulle part et c'est une nullité absolument totale. Et à partir de tout ça, le roman est trop. Le roman fait à peu près 1000 pages, il y avait 200 pages de trop à partir de ce moment-là. Le roman était sur le bord de se terminer, puis je me suis dit voyons, il reste de la page pour 200 pages de contenu, qu'est-ce qui va se passer Ils vont genre replacer la situation tranquillement pas vite, il va arriver des petites choses, je sais pas. Non. Non, rien rien du tout, c'est Finalement, c'est juste nul en fait. C'est juste nul. Genre le roman aurait dû se finir là. Il aurait pas dû avoir de réveillement ça aurait dû juste être ça, puis on aurait été correct avec ça. Donc, il y a plein d'affaires, il y a des cercles qui apparaissent puis à un certain moment puis qui sont quand même importants dans l'histoire Ils finissent par faire autre chose d'inattendu aussi. Donc, en gros, les deux entités qui s'affrontent, c'est la femme qui siffle et le gentil monsieur. Donc, la femme qui siffle qui est comme l'ennemi du, du, du jeu, Ben pas du jeu ce que du livre, ben c'est une même qu'elle s'appelle, elle a pas de nom en fait. Tout simplement. Euh, Minute de lecture spoil. Donc euh, ce que je vous dirais, ce serait n'allez pas les consulter à moins que vous vouliez être spoiler. Donc euh, elles sont techniquement disponibles. Euh, elles sont techniquement disponibles. Elles vont apparaître à un moment donné via timer avec le nightbot ou de quoi. Mais bon, moi je suis pas très très satisfait. Donc au final, donc la fin commence à trop s'étirer en longueur, dommage que le roman soit si déséquilibré son milieu est pourtant ultra intéressant. C'est un livre trop long au rythme déséquilibré puis aussi le constant même dans les situations où ça ne marche plus. J'étais très investi dans ma lecture au milieu, beaucoup moins au début et beaucoup moins à la fin qui prenait trop de temps. Donc en gros c'est un peu ça que j'en fais. Mais pour vrai, j'ai pas détesté mon expérience. sais, je veux dire tout le milieu du roman est absolument génial. J'ai trouvé qu'il y avait des super de bonnes idées, mais c'est un livre qui aurait gagné, qui gagne à être un film carrément. Parce qu'il pourrait mettre de côté tout ce qui est inutile, se concentrer sur la narration, ce qui est important, couper court aux détails puis au gras. Mais c'est ça. J'ai vu les défauts du livre. Puis ça m'a empêché de l'apprécier totalement. Je l'ai apprécié quand même, mais ça m'a empêché de l'apprécier entièrement dans sa totalité. Donc justement, en narration, je m'étais écrit ça comme faire. Donc narration très mal maîtrisée au début et narration omnisciente, mais ça s'améliore tranquillement pas vite avec une bonne maîtrise des retournements de situation jusqu'à la fin où ça devient du n'importe quoi injustifié puis qu'on se rend compte que plusieurs personnages sont inutiles au récit, genre Marie-Catherine, celle qui trouve de, euh, qui trouve Christopher après sa disparition de six jours, elle sert à rien. Elle sert vraiment à rien. Elle sert juste à nous illustrer qu'il se passe quelque chose dans l'environnement, mais on le sait déjà avec ce que Christopher vit. Fait qu'on s'en fout de Marie-Catherine, en fait. Carrément, elle a juste servi à teaser la suite à la fin parce que la suite va être reliée à quelque chose qui lui arrive, mais on s'en fout, en fait. Puis, moi, ce que je sens, pour vrai, c'est que puis Jerry, le, 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 le mari violent, ben il réapparaît à un moment donné. Puis ça, je vous garantis que la manière dont c'est fait, c'est clairement et totalement une inspiration du, du livre ça de Stephen King. Quand Tom, dans le livre, parce que ça arrive pas dans les adaptations en fait, mais ça arrive dans les livres, Tom, le mari de Beverly, y se rend donc à, à Derry, c'est ça, à Derry, le nom de la ville dans, dans, dans ça. Il sera déri, puis il croise au bras la femme de Bill, et euh, voyons, il croise la femme de Bill, puis là ben c'est Marie-Catherine et Jerry qui se croisent, puis qu'ils vont se rendre là où l'action se passe, puis finalement ben ils vont comment, en, guillemets, en subir les conséquences, mais pas de la même façon. Mais genre la narration, la manière dont ils se rencontrent, puis que c'est amené, c'est la même affaire. Donc c'est quasiment du copier-coller de Stephen King. Donc euh, voilà, la première, tu sais, puis sinon Marie-Catherine, ben tu sais. Provoquer un accident qui aurait pu être provoqué par un cerf à ce stade de l'histoire, la seconde fois amener une voiture qui aurait facilement pu être trouvée autrement. sais, Madame Emerson et Madame Lasco sont déjà plus utiles puisqu'elles font davantage partie de la vie de Christopher que les deux autres. Ça c'est comme deux personnages qui travaillent dans l'école de Christopher. Que eux autres, même si on les voit moins, font plus partie de sa vie puis servent plus à quelque chose que Marie-Catherine qu'ils voient voit à peine. sais toutes les fois où est elle est là. Ça sert à rien. Ça sert à provoquer un accident qui aurait pu être provoqué autrement. Ça sert à provoquer l'arrivée la d'une voiture qui aurait pu être trouvée autrement. T'sais, au lieu, mettons, de prendre un, un pick-up, le pick-up de Jerry, ben, il aurait pu prendre n'importe quelle voiture qui traîne. Il y a une catastrophe autour des autres. Of course, qu'il y a des voitures qui vont être disponibles, que les clés vont être oubliées dans le contact, tu sais. Des choses de même, là. Donc, bref, euh, c'est ça. Il y a beaucoup de personnages qui ne servent à rien, puis qui sont juste des ficelles narratives, malheureusement donc inspiré en grande partie du modèle d'écriture de Stephen King comme je l'avais dit mais aussi de Coraline parce que bon dans le monde imaginaire versus le monde réel il y a les deux mondes dans, dans Coraline puis il y a des gens qui se font coudre comme dans Coraline mais ils se font coudre pas les yeux mais la bouche en tout cas il euh, y a une petite référence sympathique à la chambre 217, 217 de Shining parce que c'est à 12h17 l'heure qui apparaît le plus qui est la plus récurrente dans le livre donc euh, j'avais dit déjà l'inspiration qui sort de Stephen King avec l'arrivée de Jerry donc euh, et Sinon, ben Christopher peut absorber le mal des autres exactement comme John Café dans la ligne verte. Donc il y a plein, 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 plein de choses qui sont reliées justement à à Stephen King. Puis ça, c'est juste celle que j'ai annotée, mais il y en a plein d'autres dans le roman. Mais j'ai envie de vous dire que si vous lisez ça pour essayer de trouver des références à Stephen King, ben, lisez du Stephen King, tout simplement. Donc bref, euh, c'est un roman que j'ai ai mis 3 étoiles sur Goodreads parce qu'il y, y a beaucoup de défauts, malheureusement. Mais il est pas mauvais en soi, je veux dire, ce pas un mauvais roman. Il euh, y a beaucoup de bonnes idées, mais malheureusement, je suis obligé de dire que c'est un livre qui gagne à devenir une adaptation cinéma. Puis je crois que j'irai la voir, j'irai la voir, puis je pense que je serai satisfait. Donc bref, euh, espérer une adaptation cinéma, le livre est sorti, il a pas si longtemps que ça, fait que je suis pas mal certain qu'on va, euh, qu'on va en entendre parler éventuellement. Donc ça, c'était pour l'ami imaginaire. Maintenant, le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le labyrinthe de pain, la novélisation du labyrinthe de pain de Guillermo del Toro, donc euh, qui m'a été offert donc, euh, par euh, deux amis et un couple d'amis également. Donc je savais même pas qu'il y avait une novélisation. Donc euh, j'ai été très surpris et très heureux de le savoir. Donc euh, le, la quatrième de Couverture, c'est tu ne devrais pas venir ici. Tu pourrais te perdre, c'est déjà arrivé. Je vais te raconter l'histoire. OK. Donc je vous explique en gros. Le labyrinthe de pain, vous savez, Guillermo del Toro, un excellent film. Et ils ont décidé de faire une novélisation. Et pour ce faire, ben, qui s'est allié ben, Guillermo del Toro, évidemment le réalisateur, et Cornelia Fun. Cornelia Fun, qui elle est Eh bien, c'est une... Euh, voyons, c'est une autrice illustratrice de romans pour enfants qui a eu la gentillesse de nous faire de magnifiques dessins à l'intérieur de l'oeuvre. Donc pour nous illustrer ça, et d'ajouter de temps en temps des petits contes qui ne sont pas du tout dans le film et qui permettent de placer en contexte certains personnages qu'on voit. Comme par exemple là, le monstre qui se promène de même avec ses yeux, là, on sait d'où il vient, on apprend dans quelle légende, dans quel conte il existe, bref, on nous invente des affaires pour donner du contexte. On suit aussi les pensées des personnages un petit peu plus. Comme par exemple là, le capitaine Vidal, là, donc le, le, le beau-père qui est vraiment un sac à merde total, encore pire là-dedans, soit dit en passant. On peut suivre ses pensées et ça permet de le caractériser encore mieux, puis tu en viens à le détester encore plus que dans le film. Donc ça, ça fonctionne bien. Fait que tout ce qui a été ajouté, tant qu'à moi, c'est une réussite. Vraiment, là, le film est déjà très bon en lui-même. Le livre a réussi à faire encore mieux en rajoutant ce que le, livre ne le film ne pouvait pas raconter. Donc, euh, je vous lis mon ressenti. Donc, je ressens vraiment la patte du réalisateur derrière l'autrice et tout leur travail de collaboration. Cornelia Fang, qui est une autrice illustratrice allemande spécialisée dans les contes pour enfants. Et Guillermo del Toro, le réalisateur du Labyrinthe de Pan, on a droit à une vraie équipe de feu pour cette novelisation. L'écriture est fidèle à l'esprit du film et certains personnages sont mieux caractérisés, et même si la caractérisation est très archétypale. C'est vrai, les personnages restent archétypaux quand même. Elle correspond très bien à un conte et correspond aussi à ce que Del Toro n'a pas pu mettre en évidence dans le film. Mention honorable aux ajouts du livre par rapport à la famine que vivent les Espagnols. Parce que c'est pas si clair que ça, la famine avec les Espagnols. Tu sais, on place un contexte un petit peu plus avec la rébellion qui est beaucoup plus clair que dans le film, selon moi. Mais c'est peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Donc, je sais pas. Mais à ma connaissance, quand j'ai les lu je fais Ah, oh, c'est pour ça qu'il y a des rebelles, ok? Puis là, ça, là, ça rentrait dans ma tête. Que, donc, mais aussi qu'Ophelia va vivre en raison des dernières péripéties. Après la première épreuve, elle ne mange pas parce qu'elle est punie pour avoir brisé sa robe. Ensuite, la santé de sa mère lui retourne l'estomac et elle n'a donc pas envie de manger. Et cela rend la deuxième épreuve réellement plus difficile et cela donne une justification à pourquoi elle a cédé à la tentation de manger des raisins. Parce que dans le film, tout ça nous semble ridicule et sans raison. Parce que oui, vous vous rappelez la deuxième épreuve avec. Le monstre justement accède à la tentation, elle mange des raisins, puis nous autres on se dit mais ben voyons t'es bien con qu'est-ce que tu fais on vient de te dire de pas manger mais là quand tu sais qu'il y a une famine que tu le sais qu'elle a pas pu manger puis qu'elle a été punie la veille de la... sa première épreuve parce qu'elle a brisé sa robe puis qu'en plus quand sa mère va pas bien ben elle a l'estomac retourné puis elle a pas envie de manger ben là il y a de la bouffe devant elle évidemment qu'elle va céder à la tentation évidemment donc grâce à ça c'est vraiment vraiment beaucoup beaucoup plus clair puis euh, j'en conviens attends, attends un petit peu Ok, c'est bon. Excusez, je réglé une petite affaire. Ok, c'est bon. C'est que c'est réglé. Donc, ce livre est une excellente novélisation qu'il est très pertinent de lire en ayant écouté le film récemment ou en l'écoutant tout de suite après. Cela permet de caractériser davantage les personnages et de savoir que le réalisateur a participé aux deux œuvres donne une touche canonique au récit. Donc, petit résumé rapide, ça raconte, raconte l'histoire d'Ophélie, une jeune fille d'une couturière et d'un tailleur qui est mort récemment, qui va découvrir qu'elle est la réincarnation de la princesse Moana du royaume souterrain. Alors que sa mère et elle vont rejoindre le capitaine Vidal dans les bois, alors qu'il combat les rebelles s'opposant au régime totalitaire de Franco. Parce qu'on est en époque où c'est la dictature de Franco qui est là. Donc des fées ainsi qu'un fond vont lui rendre visite et vont l'amener dans un labyrinthe près de sa nouvelle demeure où ses origines lui sont révélées. On lui donne trois épreuves à réussir pour revendiquer son titre de princesse. Le tout pendant que la mère biologique d'Ophélie est malade en raison de sa grossesse difficile. Puis où des rebelles tentent de mettre à mal les soldats de Vidal qui lui ben, les cherchent dans la forêt. Donc puis, évidemment ben, vous connaissez le film un petit peu donc euh, la mère va accoucher, euh, elle va mourir de ses blessures. Euh, après ça ben là Ophélie va s'enfuir avec le fils nouveau né etc. Bref qui euh, va utiliser les petits objets magiques. Qu'elle a obtenu de la part du faune, etc. Bref. Euh, tous les éléments du film sont tous là. Toute la gang. Fait que. Mais avec des ajouts en plus qui rendent la caractérisation plus claire. Puis, ben, on comprend aussi que le capitaine Vidal, ben, c'est vraiment un enfoiré de première. On sent qu'il n'aime pas du tout la map et qu'il l'a juste pris parce qu'elle pouvait y donner un héritier. Genre, c'est pas mal tout, là. Donc, la narration est très semblable à un conte, les personnages sont très très fortement caractérisés via leur alignement. Donc, le capitaine Vidal est méchant, 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 sans aucun doute. Uh, Ophélia est toute gentille et innocente. Bref, les archétypes, sont les archétypes sont présents, mais sont utiles à l'histoire. Aspect intéressant, c'est que le récit est entrecoupé de petits contes pour enfants, ça je vous l'ai dit tantôt, qui sont liés à différents objets récurrents ou à des monstres comme l'ogre, justement, avec les yeux d'un main, ou même la montre de gousset Vidal. En fait, il y a plein d'objets qui étaient, qui étaient là dans le film. Puis que tu y étais là, puis ça finissait là. Mais là, non, on raconte un conte qui est relié à la montre de Gousset de Vidal, à telle affaire, à tel objet, etc. Donc, ça rajoute un petit peu d'intérêt. Et bien entendu, ben, les thèmes de l'histoire sont la désobéissance et le choix. Et, anecdote intéressante, donc, <coughs> le film avait été inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, du Monde de Naria, de la Petite Fille aux Allumettes, du Magicien d'Oz et les Livres de Saint de Clive Barker. Mais, le labyrinthe de Pain. En fait, c'est une mauvaise traduction du titre original en espagnol, puisque ça se prononce El Labirinto del Fono, ce qui n'a absolument rien à voir avec le dieu grec du même nom. Fait le la labyrinthe de pain, c'est juste une mauvaise traduction du labyrinthe du fond », en fait, si on peut le dire ainsi. Fait que les thèmes de l'histoire, bon, je les ai déjà dit. Et c'est à peu près ça. Donc, pour vrai, c'est le livre. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus aimé lire pendant ce temps-là. Il est vraiment court. En plus, il y a 300 pages, puis c'est relativement écrit gros. Donc on peut le voir ici, c'est quand même écrit gros. Ça se lit très très bien. Moi je l'ai lu en une journée, genre quelques heures, pas plus. Fait que j'en suis très satisfait. Puis pour vrai, si jamais vous avez la chance de mettre la main dessus et de réécouter le film, pour vrai, ça vaut vraiment vraiment la peine. Très bonne réussite. Puis je pense que c'est celui que je vais recommander le plus à lire ce mois-ci. Puis pour vrai, ce qui est le fun, c'est que, mettons là, tu te dis, je sais pas quoi acheter à mon adolescent qui a le goût de lire un livre pas trop compliqué. Puis le fun, ou un jeune enfant, là, ça, ça fait la job. Donc. Euh ça fait en masse de la job, pis tu c'est pas trop traumatisant. Ça reste, tu un livre. C'est moins pire que de voir un ogre avec des yeux dans les mains, ou bien de voir le capitaine Vidal tirer sur Ophélia. Mais tu sais, dans ça, ça va. puis je me suis permis de spoiler parce que bon, le film est sorti vraiment longtemps. Pitié, s'il vous plaît. Donc, euh, voilà. C'est à peu près ça. voilà. Euh, le prochain livre, c'est. Euh, ben c'est le Chevalier rouge de Miles Cameron. Alors, je n'ai pas le livre avec moi parce que je viens de le redonner à la personne à qui je l'avais emprunté, justement, ben, qui me l'avait prêté, ainsi que le prochain. Donc, il est parti en urgence, voilà, deux minutes, j'étais supposé les avoir, mais finalement, finalement, il est parti en urgence, il était censé passer sa soirée à la maison. Donc, bref. Que, Finalement, donc, le Chevalier rouge, euh, c'est un livre de fantaisie, donc, euh, ça me semble évident, et c'est euh, le premier tombe de la saga du renégat. Donc, en gros, le ton du livre est très clair dès le départ. Euh, il pleut. Les membres de la compagnie de Chevalier Rouge ont du mal à s'entendre. Ils entrent dans une grange qui a subi une attaque de monstres. Puis, où la description du cadavre d'une femme laisse planer aucun doute sur le massacre qui a eu lieu ici. Donc, chair dévorée, membres arrachés. On apprend que certaines personnes possèdent un pouvoir. Qu'il existe un monde sauvage qui est en conflit avec les humains. Qui est pas nécessairement un royaume différent. Mais juste, genre, le monde sauvage, c'est ainsi qu'on désigne l'ensemble des créatures étranges. Donc, qui détestent les humains. Donc, bref, on vient de poser le cadre du monde. Le problème, c'est que sacrément il y a trop de personnages parce que je vous le dis, j'ai détesté ce livre-là. J'ai vraiment pas aimé ça. Donc, il y a trop de personnages qui sont introduits en même temps. On se mêle, on sait plus qui qui est qui. Euh, on présente les frontiers puis tombe la terreur au début. C'est correct, on comprend qui ils sont. Puis le chevalier rouge puis son écuyer, c'est suffisant pour commencer. Mais là, paf, non, on fait fois deux puis on en présente encore plus puis ça arrête pas, ça, ça arrête pas puis ça arrête pas, ça arrête pas. Puis à un moment donné, tu te dis mon dieu mais c'est qui ces gens-là? Pour vrai, il y a des gens qui, à la fin du roman, ne savaient même pas c'était qui. Fait que, bref, déjà en partant, c'est problématique. Puis, sinon, ben en termes de narration, ben le livre est divisé par chapitre, qui est lui-même divisé en plein de sous-chapitres, qui portent le nom de la ville et du personnage dont il est question dans le sous-chapitre. Par exemple, on va dire Chevalier rouge, telle ville. Mettons, ou Tom Terreur telle ville, etc. Fait qu'on va regarder l'histoire de son point de vue. Puis, des fois, ces petits sous-chapitres-là sont très très courts. Genre, mettons, par exemple, il y a un événement, une bataille. Ben là, pendant un bout de temps, on va suivre mettons un des adversaires. Puis là, paf, on change de point de vue, puis on suit le Chevalier rouge qui est en train de se battre, puis qui subit une attaque. Bref, euh, la narration, je la trouve. Relativement original. On, on, Là-dessus, c'est pas ça qui nous mal tant que ça. C'est par exemple, à un moment donné, on suit, mettons, le chef adverse qui est en train de déclencher une attaque. Puis là, oh non, mon attaque, elle a été gâchée, qu'est-ce qui vient de se passer, etc. Puis il est vraiment fâché. Puis là, paf, on switch. Puis là, on est rendu avec le chevalier rouge. Puis on comprend qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour gâcher, justement. L'idée est bonne. Moi, je trouve que l'idée est très bonne parce que c'est comme si tous les événements se déroulaient sur le présent. On fait juste changer de point de vue. Un peu comme quand, mettons, as un film, champ contre champ, changement de de perspectives etc. Moi j'ai trouvé que c'était bien, mais, mais voilà c'est ça. Puis aussi petit petit choix intéressant, il euh, y a des créatures qui sont personnifiées même si ce sont des animaux comme l'ours doré par exemple, on lui attribue des réflexions et des comportements humains. Une ours doré qui fait partie du monde sauvage justement. Donc euh, euh, sinon euh, on voit qu'il y a énormément, mais énormément de référence et d'inspiration qui vient de l'univers de Donjons Dragon. Par exemple, euh, Aura de terreur des monstres dans Donjon Dragons, qui existe dans le livre aussi, puis qui dépend de la taille du monstre sauvage. Ça existe, les aura de terreur, ça existe dans les Donjons Dragons aussi. Mais il y a aussi des termes Irk pour Orc, donc ils ont juste remplacé la lettre O par la lettre I. Boglin pour Goblin, ils ont juste changé les lettres un peu. Et, ce qui est intéressant, c'est que Miles Cameron, c'est un auteur canadien, ok Mais c'est pas son vrai nom. Parce qu'il faut savoir que Miles Cameron signe sous trois noms différents. Pour ces trois types de livres, il y a les livres de dark fantasy un peu comme celle-là. Il y a ces livres plus historiques qui signe avec son vrai nom. Puis il signe avec un autre nom, les livres qu'il écrit en collaboration avec son père. Fait que ça, c'est vraiment un livre de fantasy un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a étudié donc les arts martiaux médiévaux. Et ben, il y a des références à ça. T'sais, par exemple, là, le chevalier se place en position de garde de la dame, etc. Donc... Vraiment, il a fait sa job. Il a fait sa job pour écrire son livre. Aucun doute là-dessus. Mais, malgré tout, il reste des défauts quand même. Sinon, l'auteur, ben, c'est un grand fan de Tolkien, mais euh, il dit qu'il ne s'est qu pas inspiré du Seigneur des Anneaux, même s'il adore la saga. Mais essentiellement, euh, t'sais, bon, il y a un personnage qui s'appelle Styr il Y a un personnage qui s'appelle le Chevalier Vert, son personnage s'appelle le Chevalier Rouge. Moi, j'y crois pas trop que ça, j'y crois pas tant que ça qu'il s'en est pas inspiré. Mais c'est sûr que le monde là est plus dark que le Seigneur des Anneaux, beaucoup plus. Sinon, justement, le fait qu'il est canadien c'est intéressant parce qu'il y a des tribus du monde sauvage qui s'appellent les Abenaki puis d'autres qui s'appellent les Mohawks. Je tiens à rappeler que c'est le nom de deux nations euh, autochtones. Puis ben c'est juste écrit différemment. Genre Mohawk va être écrit pas de W, euh, Abenaki va être écrit euh, d'une autre manière. Bref. Euh, T'sais, mais on comprend que c'est de ça qu'il parle puis on, on sent en fait vraiment là tout le long qu'il y a l'enjeu de le monde sauvage en fait la raison pour laquelle ils se rebellent c'est parce que les humains leur ont pris leur territoire puis ils veulent le récupérer écoute c'est pas c'est pas très voilé sous-texte que je trouve profondément intéressant mais profondément inexploité aussi parce que outre de les nommer on voilà c'est à peu près ça donc sinon ben, j'avais noté ces inspirations qui sont toutes des auteurs euh, qui sont tous des auteurs de fantasy ou de science-fiction, etc. Donc, petit que justement, l'auteur c'est un spécialiste de l'histoire médiévale. Il a étudié son sujet durant 30 ans en plus d'apprendre les arts martiaux médiévaux en situation réelle comme en jeu de rôle grandeur nature. Si c'est aidé à comprendre réellement ce que c'était de porter du véritable et en s'en procurant du vrai avec le poids que ça pèse. Son vrai nom c'est Christian Cameron, mais il utilise le nom de Miles Cameron ou de Gordon Kent pour ses livres en plus. Le dernier lui sert pour une seule série qui est écrite avec son père, Gordon Kent. Puis pour la série du Renégat, celle qui nous intéresse, ben, il va utiliser Miles Cameron. Donc, c'est d'ailleurs. Une chose que j'ai remarqué aussi, là, mais il écrit à peu près 3-4 livres par année. 3 à 4 livres par année sous ses différents noms. Et je suis, je suis désolé, mais il n'y a aucun moyen que tu écrives de la bonne qualité de livres si t'écris 3-4 livres par année. Je suis désolé, mais ça finit par ne plus fonctionner. Je veux dire, oui, il y a des auteurs qui sont vraiment très bons et qui écrivent beaucoup de livres régulièrement, genre Stephen King. Mais pour vrai, lui, il est quasiment au même rythme que Stephen King, voire encore plus rapide, puis on s'entend, ça fonctionne pas du tout. Là. Ça fonctionne vraiment, mais vraiment pas. Donc bref, je vais y aller un petit peu plus en résumé. Donc, pour l'histoire. Donc, le Chevalier rouge est un capitaine d'une bande de mercenaires qui vient tout juste de tomber sur une ferme ayant subi une attaque alors qu'il se rendait à une forteresse où vivent des religieuses, puisqu'ils y ont été convoqués par l'abbesse qui dirige les lieux. Les mercenaires sont présentés comme étant très russes, mais aussi très doués chacun dans leur domaine du combat. Puis le Chevalier Rouge et leur capitaine. C'est présentement quelqu'un qui est présenté comme quelqu'un de très doué dans son travail, de très intelligent, de très stratège, mais qui est aussi très arrogant. Donc, l'abbesse souhaite engager la compagnie des mercenaires du Chevalier Rouge sous contrat pour qu'ils règlent le problème d'attaque de monstres provenant du monde sauvage, qui n'arrêtent pas de s'en prendre à tout leur territoire. Quelques pages plus tard on sous-entend donc l'enjeu que le monde sauvage se fait prendre ses territoires à cause des activités des hommes puis il y a un mage qui s'appelle Thorn qui... <coughs> qui profite de la situation pour servir ses intérêts puis qui rassemble le monde sauvage pour les envoyer attaquer les humains parce que ça fait son affaire donc fait à noter intéressant euh, la religion qui est présente c'est le christianisme donc c'est de la fantaisie historique mais avec du christianisme donc on parle de... il est notamment question parfois de croyance envers Dieu etc donc, euh, sinon, pour le reste, l'histoire enchaîne. Vraiment, toute l'histoire, tout le roman, c'est juste le récit de petites batailles. Genre, sincèrement, ce n'est que ça. Des petites batailles, des petites stratégies, des pertes, des décès, des regroupements entre les différentes factions, des liens entre les personnages sont des fois révélés et qui n'ont pas raccord. Rapport, genre, Thorne puis Armodius. Pff, ok. Gawyn puis chevalier rouge. Ah, ok, finalement, euh, ils ont un lien ensemble. Puis l'histoire va se terminer, donc, par la fuite de Thorne et la mort d'un personnage. Et. La victoire va finir par être remportée. Et ils vont se diriger pour aller voir un dragon pour avoir une réponse à leur question. Puis, ben, euh, le livre annonce une suite. Parce qu'il y a un empereur qui a été pris en otage. Puis il va falloir aller le sauver. Ok, je suis désolé. Mais ceci, c'est ce qu'on appelle une fucking quête de donjon dragon. Ok Vraiment. Genre, vraiment. Là, c est, c est, tout le long, j'ai senti ça. J'en suis presque à 600 pages de lui et outre les petites références historiques canadiennes et fantasy qu'on y retrouve, j'ai davantage l'impression de lire une partie de Warhammer 48 mélangée à une partie de donjon dragon. Vraiment là, genre c'est un enchaînement de ok ben vous avancez puis il y a un combat, ah ben vous êtes à la forteresse puis il y a un combat, ah puis là vous allez voir le dragon pour recevoir la quête. Mais sincèrement, come on, bref un livre avec aussi 150 pages de trop avec une majorité d'intrigues qui sont absolument pas dignes d'intérêt. Qui place un univers, mais c'est tellement maladroit, puis tellement pas assez développé que ça donne même pas envie de lire la suite, ce que je ne ferai pas. Donc voilà. Puis pour donner un exemple aussi, il y a beaucoup de personnages qui sont introduits, puis qui meurent quasiment tout de suite. Genre, mettons, pendant un chapitre un sous-chapitre, on va te présenter un personnage, on va te présenter sa personnalité, les enjeux, puis plus tard, à un moment donné, paf, il y a une bataille qui se déclenche, puis là on échange les points de vue, puis on se rend compte que le personnage qu'on a rencontré il est mort. Il y a Trop de décès. Puis ça, je pense que c'est un défaut réel dans le livre. C'est que les décès doivent servir à quelque chose, doivent être marquants, narrativement parlant. Mais un personnage que tu te fais introduire qui est juste un petit soldat random dans l'armée adverse, on sent qu'Alice qui meurt. On s'en fout, ben raide. Et plus il y a de personnages qui meurent, plus on s'en fout que les gens importants meurent. Parce qu'un anyway, ne meurt même pas de toute façon. Fait que pour de vrai, il n'y a aucune mort vraiment marquante excepté une il y en a plein dans le roman. Puis ça, pour moi, ça me pose un vrai problème. Je cite en exemple Game of Thrones dans mes affaires. Dans Game of Thrones, la première mort importante, c'est celle de Ned Stark. Puis elle demande presque tout un livre avant d'arriver. Et elle sert de moteur scénaristique pour la suite. Ici, les morts servent à pas grand-chose à part faire partie de la vie. Parce que c'est vrai que les gens meurent, ça fait partie de la réalité de la guerre. J'en conviens. Mais là, on est dans un livre de fantasy où ce que l'objectif pour nous garder attentifs sur le livre, c'est de nous attacher à des personnages... Mais si dès le début du roman tu enchaînes les meurtres de personnages, qu'est-ce que ça envoie au lecteur comme message C'est que ça sert à rien de s'attacher au personnage parce qu'ils vont mourir de toute façon. Tandis que Ned Stark, on a eu le temps de s'attacher à lui parce qu'il est pire. Quand il est mort, on était choqué, on s'est dit oh my god, mais non, mais non, pis on était fâché. Sauf que là, Seigneur du Bon Dieu. On se dit, ok, mais là, ça va créer un moteur scénaristique. Euh, Rob Stark va entrer en guerre, il va se venger. Puis en plus, la saison finit, qu'il y a une grosse victoire en capturant Jamie Lannister. Là, tu te dis, ok, là, pour la suite, il va y avoir des choses à raconter. Il y a de la tension, là. Tu sais, puis là, ça fonctionne. Mais là, il n'y en a pas de tension. Ils gagnent toutes leurs batailles. Ils trouvent tout le temps des stratagèmes pour gagner. Pour vrai, à aucun moment, tu inquiet pour l'issue du roman, qui est de gagner la bataille. Fait que. Fait que pour vrai, je suis désolé, mais. Autant ce livre-là, l'auteur avait la volonté de le rendre le plus réaliste possible, autant je crois que c'était une grossière erreur, malheureusement. Parce que, ben, sincèrement, je veux dire, comment, comment, tu, comment tu veux accrocher sur un livre où ce que tu es constamment mêlé, puis quand tu finis par identifier des personnages, ils meurent, fait que tu n'as pas le temps de t'y attacher. Puis où est-ce que les événements se répètent constamment C'est toujours la même chose. C'est juste qu'il va changer de stratégie. Genre vraiment là, c'est vraiment genre quasiment là, genre ben faites vos actions puis c'est à ton tour puis c'est à ton tour. Même la narration en changement de chapitre a l'air de genre ok c'est le rendre des ennemis puis là c'est le rendre des gentils. <laughs> tu sais, moi j'ai trouvé que c'était original mais ça rend ça se sent que tu lis du donjon dragon. Okay. malheureusement je ne poursuivrai pas cette, euh, je ne poursuivrai pas cette lecture. Mais peut-être que ça va être le truc d'autres personnes. Il y en a peut-être que c'est ça qu'ils recherchent dans la fantasy. Mais en toute sincérité, tant qu'à lire de la dark fantasy ou des choses de même, ben moi ce que je vous suggérerais, ce serait plus de lire cette saga-là ici Les Chroniques du Nécromancien de Gail Martin. Donc, euh, l'invocateur étant le premier roman. Donc lui-ci je l'ai redonné. Euh, Celui-là je l'ai beaucoup plus aimé que l'autre, vraiment beaucoup plus, mais il est beaucoup plus simple à lire aussi. Je veux dire la caractérisation des personnages se fait rapidement, on comprend très vite c'est qui, qui est important dans l'histoire, il y en a pas trop d'introduits à la fois, puis c'est un premier roman alors que lui il en est à plusieurs avant celui d'avant il avait déjà écrit plein de romans avant, ça c'est son premier et je le trouve mieux réussi. Donc comme on dit des fois le talent d'écriture oui ça peut être inné, euh, pas pour tout le monde. Donc, bref, je vais vous donner mon ressenti. Donc, euh... non, un résumé d'abord. Donc, on est ici, Triss, qui est en pleine célébration de Revenante. Revenante, c'est une fête qui implique de cohabiter puis de parler avec un grand nombre d'esprits. Et il y a un esprit parmi eux qui va lui dire, fais attention aux rappeurs d'âme. OK. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Il est prince de Margoland, donc c'est le nom du royaume dans lequel il est. Puis, il y a un frère aîné qui est alcoolique, Jared, qui est héritier. Puis, il y a une petite soeur de 12 ans qui s'appelle Kate. Donc, elle est libertine, fan d'oiseaux de, de chasse. On place le caractérisation tout de suite. Jared est triste, ils s'entendent pas souvent, ils se disputent beaucoup. Puis des fois, là, ça va jusqu'à se battre à l'épée. Donc, euh, bref, Jared pose vraiment beaucoup de problèmes. Puis, euh, le roman commence où vraiment on dit à Tuerce, fais attention, méfie-toi, il va se passer quelque chose. Ce qui indique rapidement que Jared va être notre antagoniste principal. On voit le caractère de Jared, on voit les esprits qui disent fais attention, là, le lien se fait tout de suite. Jared, ça va être l'enculé de l'histoire. En 15 pages, tu sais exactement qui est chaque personnage, qu'est-ce qu'il a à faire, comment ils sont. Simple de même. Triss et Kate ont une très belle relation fraternelle, puis ils vont subir tous les deux le, quotidien, le, le courroux quotidien de Jared, qui lui, a perdu sa mère, qui est issue du premier mariage du roi. Triss a aussi deux amis, un barde et Setorius, euh, un homme d'armes, qui est lieutenant dans l'armée royale. Donc, on apprend en gros que, à travers les histoires du bard pendant la fête, que les esprits, en fait, c'est une histoire qu'ils ont sauvé le palais de l'envahisseur à un moment donné. Puis, grâce à un sort lancé par un mage qui en a payé de sa vie, euh, aujourd'hui, les esprits protègent toujours les lieux. Donc, mais il n'y a personne qui peut les voir, excepté pendant Revenante. Mais on accepte l'idée que les esprits existent puis que les. Euh, les c'est ça. Que les esprits existent. Par contre, Twist, lui, peut les voir à temps plein. Mais ça, personne ne le sait parce qu'il ne l'a jamais dit à personne. Mais il peut les entendre, puis il peut les voir à temps plein. Parce que c'est lui, en fait, qui est l'héritier d'un titre de magicien qui se transmet euh, à la mort du dernier et il est invocateur. Donc, en gros, sa grand-mère était une invocatrice, donc une puissante magicienne nécromancienne. Et quand elle est morte, ben son talent est passé à son petit-fils. Tout simplement. Et, ben, en fait, c'est pas vrai. Il était déjà passé, c'était déjà l'héritière, puis elle s'est arrangée pour le former. Puis elle lui a fait oublier sa formation pour euh, éviter qu'il se... Il se révèle trop vite. Puis tranquillement, pas vite, ben, il va apprendre à maîtriser ses pouvoirs au cours de l'histoire. Le tout en gérant le coup d'État que Jared a organisé qui va. Euh, qui va choquer. Donc, il va organiser un coup d'État, en fait. Puis ça va faire en sorte que Twist va être obligé de fuir avec Setorius et Carovet. Donc, et euh, lui, il va leur courir après. Lui, il va découvrir que c'est un Jared va leur courir après, Twist va découvrir que c'est un invocateur, il va essayer de réapprendre ses leçons, en entrer en contact avec d'autres personnages, puis tranquillement, pas vite, il y a des pièges, il y a des guet-apens par-ci, par-là, mais rien de bien méchant. Euh, et il va finir par arriver dans un lieu où il va pouvoir se former, etc. Bref, euh, en parallèle, donc, on a aussi une autre histoire, celle de Kiara, qui est héritière d'un royaume voisin, puis c'est celle qui est promise en mariage à Jared et qui veut tenter d'échapper à son sort. Donc, euh, Voilà. Fait que c'est un livre, donc il a pas vraiment le temps de niaiser, ça va vite, euh, mais c'est prévisible. Genre vraiment, c'est prévisible. Genre vraiment, tu, tu peux savoir tout de suite qui va finir en couple avec qui à la fin. Genre il y a un personnage, il y a deux personnages qui se détestent, puis t'es comme, ah, eux autres ils vont baiser à la fin. Puis sinon, ben là, t'as Kiara justement, euh, tu risques qu'ils vont se rencontrer. Puis euh, es comme, ah, eux autres, c'est sûr et certain qu'ils finissent ensemble, sûr et certain. Fait que, bref, il y a des petites facilités, puis des petits clichés comme ça. Mais globalement, la, la lecture reste très agréable. Donc, c'est très banal, très omniscient. Le style d'écriture est simple. C'est plus proche de la littérature jeunesse. Mais, il euh, y a peut-être un seul personnage qui est vraiment problématique pour moi. C'est le personnage de Linton Maynard. En fait, c'est le sceptique. Parce que il y a des légendes par rapport aux esprits maléfiques quand même malgré tout même si les esprits sont bien acceptés dans l'univers il y a des légendes sur les esprits maléfiques puis sur certains lieux qu'il faut pas visiter etc puis lui il est comme mais non vraiment mais genre vraiment trop mais non trop mais non genre t'es comme non mais là t'es juste un moteur scénaristique pour que les personnages aillent là c'est pour ça que t'es sceptique c'est pas parce que c'est même pas crédible mais outre cela outre cela ça allait quand même bien donc, euh, sinon, en termes de sources d'inspiration, l'autrice se dit que son feuilleton préféré quand elle était jeune, c'était Dark Shadows, qu'elle a toujours aimé les esprits, toujours aimé les histoires de fantômes, toujours aimé les histoires de vampires. Puis, euh, quand elle était jeune, ben, elle a écrit sa première histoire de fantômes à genre 5 ans. Puis, avec les chroniques du Nécromancien, ben, elle a écrit son premier vrai roman. Donc, euh, Dark Shadows, en passant, c'est un petit soap opera gothique avec des événements paranormaux. Donc, euh, c'est à peu près ça. Fait que, idée très bonne, je trouve. Ça fonctionne très, très bien. Euh, malheureusement, par contre, euh, moi j'ai été voir les autres romans, parce qu'il y en a quatre dans, les, dans la série. Je préfère vous le dire. Tout l'arc narratif de ce que je viens de vous raconter, avec la conquête de Jared, euh, la poursuite, etc., l'apprentissage des pouvoirs d'invocateur, tout cet arc-là se termine après le tome 2. Puis après le tome 3, là on rentre dans une nouvelle histoire. C'est un peu comme l'assassin royal qui, après sept tomes, s'est terminé, puis là on change de période de temps, on raconte une nouvelle histoire. Euh, moi, j'ai détesté l'Assassin Royal, soit dit en passant. J'ai lu, lu, les six premiers tomes, j'ai fini cette narratif-là, puis j'ai dit fuck off, moi je me tente pas de continuer. Ben, je te, dirais que pour vrai, euh, je lirais, genre ce récit-là. Je suis pas sûr que je serais intéressé à lire la suite avec ce qui est là, parce que là les personnages vieillissent, puis là t'as l'autre qui est rendu avec des enfants, puis en tout cas bref, c'est, c'est un peu comme quand tu passes des chevaliers d'Émeraude aux héritiers d'Ankidive, genre t'es comme bah ok, c'est, c'est ça, ça là. Fait que faut vraiment le prendre comme deux histoires différentes, moi, selon moi. Fait que ça peut en rebuter certains. Moi, je sais que j'ai pas été accroché par les résumés qu'on a donnés des tomes 3 et 4. Mais, tombe 2, si j'y avais accès, je le lirais pour pouvoir finir l'arc narratif à ce sujet-là. Puis, qui sait, peut-être qu'il y a de quoi à la fin qui me donnera envie de lire le 3 et 4. Mais, moi, je dirais que, mettons exemple, que tu veux commencer. Je dirais, achète tombe 1-2 en premier. Vois si t'aimes ça, pour au moins conclure l'arc narratif. Puis, une fois que c'est fait, ben là, si ça te tente, ben vas-y avec le 3-4. Mais c'est pas nécessaire de les lire toutes pour tout comprendre, de ce que j'en ai compris. Donc c'est un, un peu comme ça que je voyais les choses. Donc ça, c'était pour le quatrième livre que j'ai lu ce mois-ci. Donc ça va quand même vite ce soir, en effet. Et là, enfin, on va passer à un livre que j'ai en présence physique à côté de moi ici. Un grand classique, bien entendu Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald qui s'est marié avec une certaine Zelda. Qui a inspiré Shigeru Miyamoto pour le choix du personnage éponyme, soit dit en passant. Donc, je vous lis la quatrième de couverture. Enfin, je peux le faire. S'il faut dire la vérité, Jay Gatsby de West Egg, Long Island, naquit de la conception platonicienne qu'il avait de lui-même. Il était fils de Dieu, expression qui ne signifie peut-être rien d'autre que cela. Et il lui incombait de s'occuper des affaires de son père, de servir une beauté immense, vulgaire, clinquante. Aussi, inventa-t-il la seule sorte de Jay Gatsby qu'un garçon de 17 ans était susceptible d'inventer il demeurera fidèle à cette conception jusqu'à la fin. Le chef dœuvre de, de F. Scott Fitzgerald paraît ici dans une traduction inédite de Philip Jaworski. Donc, il euh, donc, y en a probablement beaucoup parmi vous qui ont vu l'adaptation en film de 2013, qui n'est pas tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pas tout à fait, tout à fait. On va dire ça. Donc, euh, c'est un livre qui est très court, hein. Soit dit en passant, c'est même pas 200 pages. Genre, je pense qu'au total, c'est... Ah non, c'est pas vrai, c'est 202. 202. Donc, ça se lit relativement vite. C'est qui petit, par exemple? C'est écrit un peu petit, là, si on regarde un peu, là. Voilà. C'est écrit un peu petit. Mais, sincèrement, j'ai beaucoup aimé The Great Gatsby. Donc, Gatsby le magnifique. Je vous donne mon ressenti. J'en suis à 25 pages et l'histoire n'en est encore qu'en mise en contexte. Mais, je souligne un certain malaise que j'ai eu en sachant de quoi est inspirée l'histoire et en lisant la description quasi amoureuse que Nick Caraway fait de sa propre cousine. On a l'impression que l'auteur a projeté ce qu'il ressentait pour la personne qui a inspiré le personnage de Daisy dans ses écrits. À travers les pensées de Nick Carraway. Si la narration avait été omnisciente, il aurait pu le faire à travers Gatsby. Mais étant donné son choix de narration, même si c'est important pour caractériser l'objet de désir qu'il désire, c'est malaisant de savoir que cette caractérisation vient des pensées d'un cousin. C'est peut-être le seul défaut que j'ai reproché. En gros, puis là, faut mettre ça en contexte, ok Donc, l'inspiration. Là, vous êtes pas prêts. L'auteur s'est inspiré d'abord de ses propres nouvelles, rêves divers dont certains passages sont carrément repris puis insérés dans le roman. C'est la première chose. Notamment la description de la maison, il va reprendre les thèmes, puis l'auteur considère, considère sa nouvelle comme une première esquisse de Gatsby, d'ailleurs. Les thèmes abordés, c'est le temps qui passe, la nostalgie, puis ça, ça va beaucoup aussi animer les réflexions de Nick Carraway, qui est le narrateur dans cette situation-là. C'est lui, Nick Carraway, qui nous raconte l'histoire de Gatsby. Euh, c'est lui qui nous raconte l'histoire de Gatsby, donc euh, c'est une narration de personnage principal, première personne. Donc l'histoire s'inspire d'une histoire d'amour que l'auteur a eue lorsqu'il était jeune avec une femme qui s'appelle Ginevra King, une femme faisant partie de la haute bourgeoisie, et elle est donc l'inspiration derrière le personnage de Daisy Buchanan, qui est la cousine de Nick Carraway. Leur relation s'est terminée donc en Ginevra et Francis Scott Fitzgerald, parce que le père de Ginevra est intervenu, puis a fait savoir à Francis qu'il était un jeune auteur à cette époque, puis qu'il était trop pauvre pour même penser à se marier avec une jeune fille riche. Suite à cette rupture, donc, l'auteur est entré dans l'armée, il a fait la Première Guerre mondiale, il a lâché l'université Princeton et il a rencontré une femme qui allait devenir sa future femme, donc Zelda Sayre, qui est devenue Zelda Fitzgerald, durant son service. Mais tout le temps qu'il était avec, il pensait encore à Ginevra et qui, à ce moment-là, ben, se faisait marier de manière arrangée à un riche homme qui allait devenir propriétaire d'une compagnie pétrolière et qui a inspiré le personnage de Tom Buchanan. Donc, les deux amants étaient mariés chacun de leur côté, ils pensaient l'un à l'autre à un point tel que Ginevra King a envoyé au jeune auteur une histoire qu'elle avait écrite, les mettant en vedette tous les deux, où elle prétendait être prise dans un mariage dont elle ne voulait plus, et qu'à la fin, l'auteur amasse assez d'argent pour qu'ils puissent être heureux ensemble. L'existence de cette histoire est demeurée secrète jusqu'à après la mort de Fitzgerald, soit dit en passant, mais on a retrouvé, quand on l'a trouvé cette histoire-là, des similitudes avec Gatsby. Donc, euh, aussi une autre source d'inspiration. Donc, Francisco Fitzgerald meurt en 1940 à l'âge de 44 ans, puis Zelda va mourir 8 ans plus tard alors qu'elle était sous et enfermée dans un hôpital psychiatrique depuis un bon bout de temps. Elle avait été diagnostiquée avec de la... de la. schizophrénie, mais il y a un incendie qui a brûlé l'hôpital où elle était, donc c'est ça qui l'a tuée. Durant cette période où elle était à l'hôpital, ben, Fitzgerald avait développé des problèmes d'alcool. Il a tenté de reconquérir Ginevra King, mais quand elle a vu dans où ce qui était rendu. Quand elle a vu où Scott Fitzgerald était rendu. Après qu'elle se soit séparée de son premier mari, ben elle a fait euh, ouais, mais non. Fait qu'elle est allée se remarier avec un autre homme riche à Chicago où elle va finir sa vie dans les années 80. Donc euh, Fitzgerald était réputé pour faire le parti avec sa femme, d'être un peu victime du succès des livres, mais aussi pour avoir eu ensuite des problèmes financiers, parce que, bon, les livres de l'auteur ne connaissent pas autant de succès qu'on l'imagine. On connaît l'étrange histoire de Benjamin Button, on connaît le Gatsby le Magnifique, mais à part ça, la Grande Dépression a frappé très fort. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce roman-là a été écrit et... A été pensé pour fitter dans le contexte des années folles, avant le crash boursier de 1933. 1933 1929, pardon. Et sa réorientation vers la scénarisation de cinéma n'arrangera rien. Fait que, bon, finalement, euh, si ben, je parle de, de, de l'auteur qui s'est retourné vers le cinéma, ça n'a rien changé. Fait que, fini malheureusement, sa vie pauvre. Euh, même s'il a pu régler ses problèmes d'alcool, mais il est mort d'une crise cardiaque, donc à 44 ans. Il avait déjà des gros problèmes de santé. Puis clairement, Jay Gadsby, ben c'est clairement. C'est clairement, en fait, le personnage. C'est Fitzgerald. Il est sur le parti il organise des fights. C'est un jeune qui est allé dans l'armée, puis qui a perdu sa conquête, Daisy, puis que quand il est revenu, il était déjà marié avec quelqu'un d'autre, puis que là, il est devenu riche, puis qu'il pourrait la conquérir. Puis il va dire au oh, mari, Tom Buchanan, elle vous aime même pas, c'est avec moi qu'elle veut être, etc. Fait que, bref, il y a une rivalité qui se crée entre les deux. Fait c'est à peu près ça. Donc, euh... bref, c'est voilà. C'est une histoire donc qui est inspirée de l'amour et de la vie réelle de l'auteur. Puis comme je disais au début, moi je trouve ça malaisant quand tu présentes Daisy comme objet de désir, mais à travers les yeux de son cousin. Genre, c'est peut-être le seul reproche que je ferai au roman. Bref. Donc, euh, finalement. Donc, euh, ok, ouais, j'étais rendu là. Donc, ah oui, c'est vrai, on m'a donné page 30. Je, euh, ouais, je m'étais noté de lire la page 30, la partie sur l'accouchement. OK, écoute Nick, laisse-moi te raconter ce que j'ai dit quand elle est née. Tu veux savoir? Absolument. Cela t'aidera à comprendre où j'en suis avec, avec la vie. Voilà. Elle n'était pas née depuis une heure et Tom se trouvait, du sait où. Je suis sorti de l'anesthésie avec le sentiment d'être abandonnée par la terre entière. Et j'ai tout de suite demandé à l'infirmière si c'était un garçon ou une fille. Elle m'a dit que c'était une fille. Alors j'ai tourné la tête et je me suis mise à pleurer. Bien, je dis, je suis heureuse que ce soit une fille. J'espère qu'elle sera idiote, une ravissante petite idiote. On ne peut pas souhaiter plus beau destin pour une fille ici-bas. Tu vois, je pense que tout était horrible. Nécessairement, poursuivit-elle d'un ton convaincu, tout le monde le pense. Les gens les plus évolués, et moi, je le sais. Je suis allé partout, j'ai tout vu, tout fait. Ses yeux brillants lançaient autour d'elle des regards de défi, un peu comme ceux de Tom. Et elle riait d'un rire méprisant qui vous faisait frissonner. Raffiné, Seigneur. Voilà ce que je suis raffiné. Donc en gros, là, ce qu'il faut comprendre de ce passage-là, en fait, c'est qu'on parle de l'accouchement. En fait, littéralement, ce que ça sert comme caractérisation, c'est de nous montrer que Daisy, elle est déchirée, puis c'est pas un mauvais jeu de mots, rien, là. Elle est déchirée parce que elle est cynique et elle considère que c'est mieux d'être idiot pour ne pas subir les contre-coups émotifs carrément. Genre vraiment là, genre Daisy elle est déchirée complètement, puis elle se dit ça serait bien mieux si j'étais idiote comme ça, j'aurais pas à ressentir tout le mal que je ressens. Donc et c'est aussi une projection de la perception que l'auteur avait de Genevra King, qui elle était déchirée entre son mariage et son envie d'être avec Francis Scott Fitzgerald. Donc Sinon, vers la fin du chapitre 2, on constate les comportements de la haute bourgeoisie qui nous semblent caricaturaux à notre époque, mais qui à l'heure étaient la norme. Par exemple, la femme qui en voulait à son ex-mari d'avoir emprunté à un ami un costume du dimanche pour un mariage, en fait un scandale. Puis on voit Nick qui semble découragé par ses récits, comme devait l'être auteur qui, même s'il était issu d'un milieu modeste, avait accès à la bourgeoisie et voyait quotidiennement ce genre de comportement qu'il a dû trouver suffisamment absurde pour les présenter dans son oeuvre. Je suis certain que c'est une histoire qu'il a réellement entendue dans un parti de riches, certain, certain. Donc, le livre qui était très calme jusque-là se contentait de décrire l'environnement ou le sentiment des personnages via des métaphores et de s'en tenir simplement à un portrait de ce qu'est le mode de vie des riches. En mode drame, dès. Et ça passe en mode drame dès les 50 dernières pages avec deux événements majeurs. Donc, la fin fait également très mal car elle met en lumière une grande hypocrisie de la part de tous les gens qui entouraient Gatsby. Karaoui tente d'organiser des funérailles pour Gatsby parce que, bon, ça c'est un fait connu, mais Gatsby meurt à la fin et, pour vrai, ça fait mal à constater ça. Parce que... Il essaye d'organiser des funérailles pour que tout le monde vienne. Puis tout le monde se comme « non, pas intéressé. Mais... ses parties, il y avait tout le temps plein de monde. Quand il organisait des parties et qu'il ouvrait sa maison... Ben, tout le monde était là. Mais il n'y avait personne le jour des funérailles, excepté Nick Carraway. Donc bref, tous les autres profitaient de son alcool, de ses fêtes et de son argent. Tous ceux-là sont portés disparus. Notamment même son partenaire d'affaires principal qui dit qu'il veut pas s'en mêler parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc voilà, c'est à peu près ça. Fait que c'est très, 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 très décevant. Voilà. Fait que, d'ailleurs, justement, je m'étais gardé les pages 199 à 200 pour justement vous illustrer ça. Donc... Un après-midi, à la fin du mois d'octobre, j'ai rencontré Tom Buchanan. Il marchait devant moi de son pas vif et agressif sur la cinquième avenue, les mains à quelques distances du corps comme pour écarter toute gêne extérieure. Sa tête, agitée de mouvements saccadés, ne cessait de s'ajuster à ses yeux toujours aux aguets. Au moment précis où je ralentissais pour éviter de rattraper, il s'arrêta et fronçant les sourcils entreprit d'examiner la vitrine d'un joaillier. Tout à coup, il m'aperçut et revint en arrière en tendant la main. Qu'est-ce qui se passe, Nick Tu refuses de me serrer la main Oui. Tu sais ce que je pense de toi c'est fou, Nick, dit-il très vite, complètement fou. Je sais pas ce qui t'arrive, Tom, lui demandai-je. Qu'as-tu dit à Wilson ce jour-là Il m'a regardé fixement sans dire un mot et j'ai compris que j'avais deviné juste au sujet de ces heures mystérieuses. J'ai commencé à m'éloigner, mais il a fait un pas vers moi et m'a saisi le bras. Je lui ai dit la vérité, dit-il. Il, il s'est présenté à la porte au moment où nous nous apprêtions à partir et quand je lui ai fait dire que nous étions absents, il a essayé de monter de force. Il était dans un tel état qu'il m'aurait tué si je ne lui avais pas dit à qui appartenait la voiture. Il a gardé la main sur le revolver qu'il avait dans sa poche tout le temps. Il est resté dans la maison. Il s'est interrompu et, provoquant, je lui ai dit :« Oui. » Et après, ce type l'avait cherché. Il t'a jeté de la poudre aux yeux comme il l'a fait avec Daisy. Mais c'est une crapule. Il a écrasé Myrtle comme on écrase un chien. Et il ne s'est même pas arrêté. Je n'avais rien à lui répondre sinon que la vérité était autre, mais cela n'était pas dissible. Et si tu crois que je n'ai pas eu ma part de souffrance, écoute-moi. Quand je suis allé à l'appartement pour donner congé et que j'ai vu cette dieu de boîte de biscuits pour chiens posée sur le buffet, je me suis assis et j'ai pleuré comme un môme, Seigneur, quelle horreur je ne pouvais ni lui pardonner ni ressentir de l'amitié pour lui, mais j'ai compris que ce qu'il avait fait était à ses yeux parfaitement justifié. Il y avait beaucoup d'insouciance dans tous ce désordre. C'était tous deux, Tom et Daisy, des insouciants. Ils cassaient les choses et les êtres, puis allaient se mettre à l'abri de leur argent ou de leur prodigieuse insouciance, ou de ce qui les liait l'un à l'autre, et ils laissaient à d'autres le soin de nettoyer les saletés qu'ils avaient faites. Alors ça, là, c'est hyper révélateur. C'est exactement comme ça que ça marche aujourd'hui. Je suis désolé, mais c'est encore de même que ça marche. Les riches font des conneries, puis pas et les pauvres qui ramassent en arrière, puis les autres qui ramassent en arrière de, de leurs conneries. C'est tout le temps, tout le temps comme ça. Puis, ben, je trouve que c'est vraiment révélateur. Donc, c'est vraiment un livre qui donne un excellent portrait. Qui donne un excellent portrait des riches dans les années folles, puis qui nous montre vraiment à quel point la bourgeoisie, c'est un monde parallèle par rapport aux milieux qui sont plus populaires ou plus modestes. Puis, pour vrai. Euh, Gad... l'auteur a eu la chance d'avoir accès à ça parce qu'il peut nous montrer à quel point c'est absurde puis on est capable de constater à quel point c'est encore absurde aujourd'hui donc euh, c'est un livre que je vous recommande aussi je crois que c'est celui que je recommande le plus après le labyrinthe de Pan parce que le labyrinthe de Pan pour moi c'est vraiment pardon une très bonne réussite ce qui ne sera pas le cas du prochain dont je vais vous parler la piste d'Albert Camus alors, ce livre-là, c'est celui, je vous le dis tout de suite, c'est celui que j'ai détesté le plus du mois. Donc, je n'ai même pas de quatrième de couverture parce qu'il n'y en a juste pas. Mais, il faut que je vous parle un petit peu de la philosophie d'Albert Camus pour que vous compreniez un petit peu la démarche. Ok, on va faire ça simple, basique. Donc, le livre d'abord a plusieurs sources d'inspiration qui sont tirées de la philosophie de l'absurdité camusienne. Donc... Une des analogies les plus connues, serait qu'à l'époque du régime de Vichy, où l'épidémie de peste est une métaphore de l'avancement du nazisme et l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, qu'on traiterait d'abord comme étant de passage, puis que finalement va finir par dégénérer et être trop sérieux. Donc, il faut savoir que la peste dont il est question, dans ça, parce qu'on fait juste suivre une épidémie de peste, ok? C'est tout ce qui se passe dans le livre, mais tout ça, c'est une métaphore de la Deuxième Guerre mondiale, des nazis, des juifs, bref, il y a plein de signes qui nous le démontrent, tout le long. Ça, c'est la première source d'inspiration. Il y en a qui critiquent l'analogie, genre Jean-Paul Sartre qui dit "Ouais mais non, les nazis ne sont pas que des microbes puis blablabla, il y avait conscience de ce qu'il faisait." OK, non, c est, c est, on, ça c'est pas important, on s'en fout, Sartre là-dessus tu l'échappes. Donc Camus n'a pas fait des références directes ni des métaphores directes sur tout. la comparaison est présente mais n'a pas besoin d'être exacte. Donc là-dessus Camus, je considère qu'il est, en... est très correct. Le récit se concentre sur les victimes saines et non sur la peste en elle-même, démontrant que la démarche de l'auteur c'est de réfléchir autrement à la question. Donc maintenant par rapport à la philosophie de Camus, donc il y a deux révoltes, parce qu'il y a beaucoup de révoltes dans la philosophie de Camus, puis dans ce livre-là il y en a deux. La révolte individuelle où les gens refusent de se soumettre, refusent qu'ils leur tombe dessus, puis la seconde qui souhaite l'affranchissement face à la situation, donc l'épidémie et les mesures sanitaires, bien entendu. L'histoire met l'accent sur la responsabilité individuelle face à l'injustice. Donc euh, j'ai vraiment l'impression qu'on est en 2020 quand on lit ça, parfois, mais c'était pas le cas, pas encore à ce moment-là. Donc le projet a germé dans l'esprit d'Albert Camus en 1941, mais c'est sorti en 1947, après la fin de la guerre. Donc c'est évident que de toute façon les inspirations de la guerre sont présentes. C'est évident que ça a joué. Et là, il faut qu'on parle de la philosophie d'Albert Camus. Okay? La philosophie d'Albert Camus a trois cycles. Okay? L'absurde, la révolte et l'amour. Quand Albert Camus a décidé d'écrire des romans, il a décidé de faire un plan très précis. Il a décidé d'écrire neuf romans au total, trois pour chacun des cycles que je viens de nous nommer. Donc, il y avait trois romans sur l'absurde, il y avait trois romans sur l'amour et... Euh, trois romans sur la révolte, pardon, puis il devait avoir trois romans sur l'amour, mais il est mort d'un accident avant de finir son cycle. Donc, finalement, on n'aurait jamais vu les neuf romans euh, total de, ceci, de cette, de cette démarche-là. Donc, Almer Camus donc, fait un plan très précis et ses premiers romans, donc L'Étranger, Caligula, qui est un empereur romain et le malentendu, et Le mythe de Sisyphe vont présenter respectivement la négation de manière romanesque, ensuite de manière dramatique avec Caligula et le malentendu, puis ensuite de manière idéologique avec le mythe de Sisyphe. Et ça, c'est le cycle de l'absurde. Donc c'est dans le cycle de l'absurde qui est là pour mettre de l'avant des idées qui montrent la futilité de la vie, l'inutilité de l'existence et l'absence de sens face à l'univers. Donc c'est des idées qui sont très proches du nihilisme de Nietzsche. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la philosophie. Donc ça, on est dans l'absurde pour l'instant. Fait qu'on présente l'absurde de cette façon-là puis on la présente de manière négative à travers donc des trois romans d'abord de manière romanesque d'abord de manière dramatique puis ensuite de manière idéologique donc ça c'est pour l'absurde négatif et là ensuite on répète le cycle mais cette fois-ci on fait une présentation positive et là on commence avec la pièce qui est la présentation romanesque et ça va être suivi en fait par après euh, et ce nouveau cycle, donc, en fait, correspond avec la révolte, qui est le deuxième cycle. Fait on a présenté l'absurde avec de la négation, puis ensuite on présente la révolte avec du positif, tout simplement. Donc, encore avec la démarche d'un livre romanesque, un livre dramatique et un livre idéologique. Donc, le premier d'entre eux, c'est la pièce, donc c'est celui qui nous est présenté de manière romanesque. Donc, c'est censé être une réponse à l'étranger, si on peut le dire ainsi. Si on peut, si on peut le dire ainsi, c'est censé être une réponse, une réponse au livre l'étranger, tout simplement. Et il va agir donc aussi de façon directe comme réponse à l'absurde, puisqu'ici on présente un être humain qui refuse de vivre dans le monde tel qu'il est. Tu sais, la vie est inutile, inexistante, là on était dans le négatif, mais là non, là, la vie, elle peut faire du sens si on lui en donne un. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Il s'agit d'une idée qui est plus proche, donc, d'une autre philosophie de Nietzsche, qui est celle du surhomme. Donc, qui soutient donc qu'un improbable futur ne devrait pas nous guider et nous mettre de barrière morale. On met de l'avant la libération et même si la vie est absurde, on peut lui donner un choix à travers on peut lui donner un sens à travers nos choix personnels, nos engagements et en utilisant la liberté dont l'être humain s'est doté. Fait que, si je vous cite concrètement ce que j'en ai retenu, selon Albert Camus, face à l'absurde en toute lucidité, sans détournement ni évasion, la seule possibilité est la révolte. Elle est la confrontation décidée et incessante avec l'absurde. C'est un défi aussi bien qu'une conquête. L'acceptation est la vraie rébellion contre une vie dénuée de sens. Accepter lucidement sa condition sans espoir ainsi que la contradiction humaine, c'est être profondément libre. C'est être alors délié des règles communes et vivre consciemment. Vivre dans un univers absurde, c'est multiplier avec passion les expériences lucides pour être en face du monde le plus souvent possible. Il faut vivre avec le temps et mourir avec lui. Mais comme je vous dis, Camus est mort avant de compléter le troisième cycle de sa philosophie, celui de l'amour. Donc finalement, on n'aura jamais vu les neuf romans qui étaient prévus. Donc en gros, ce que Camus nous dit, c'est la vie n'a pas de sens. C'est absurde de vivre, ça sert à rien, c'est inutile. Mais tu peux lui donner un sens si tu fais bon usage de la liberté qui t'est donnée en tant qu'être humain. Grosso modo, c'est à peu près ça la philosophie d'Albert Camus. Puis, une fois que tu as compris ça, ben là, tu peux lire le roman. Parce que si tu n'as pas compris ça à la base, ben tu lis le roman et ça sert juste à rien. Il a rien à comprendre. Tu peux, dédier à... tu peux déduire absolument rien. Tu peux même pas déduire que l'inspiration c'est la Deuxième Guerre mondiale. Si tu ne sais pas dans quel contexte c'est écrit. Tu peux pas comprendre que c'est censé être une révolte, un cycle de révolte. Je suis désolé. Tu es obligé de comprendre la philosophie de Camus avant de lire le roman. Le problème, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'une fois que tu as compris la métaphore de la Deuxième Guerre mondiale. Puis une fois que tu as compris la philosophie d'Albert Camus, ben, il te reste plus rien à comprendre du livre. Il te reste plus rien à interpréter. Il ne te reste plus rien à comprendre. Et si tu n'as pas étudié ça, ben, tu peux juste pas rien comprendre de toute façon. Mais peu importe le choix que tu fais, tu te retrouves à lire un livre qui est tout simplement l'histoire d'un certain Bernard Rieux, un docteur qui travaille pendant le temps de la peste, puis qui guérit du monde, puis qui parle à des gens, puis on s'en fout, on s'en fout en fait. On s'en fout de ce qu'il fait. Il n'y a rien de dramatique, il se passe rien, rien, mais absolument rien. C'est juste des réflexions individuelles. Pire que ça, la narration, elle est bizarre parce qu'elle crée une distance avec le lecteur. Parce que imaginez, ok? Imaginez que vous lisez un livre, mais au lieu d'être, mettons, dans l'esprit d'un personnage ou d'être un narrateur omniscient qui voit les événements se dérouler en temps réel, eh bien, imaginez que le livre que vous lisez, eh bien, c'est un chroniqueur historique qui est en train de vous dire, j'ai lu tel document, voici ce qui est dit, puis voici ce qui est dit, puis voici ce qui est dit. C'est ça la narration. Fait que t'as comme, hop, t'es pas dans le moment présent. Ensuite, hop, tu te recules encore plus parce que là, t'es même pas le, ton personnage que t'es raconte une histoire déjà arrivée. Puis en plus, cette histoire-là, c'est même pas la sienne, il l'a même pas vécu. Fait que t'as une triple distance avec la réalité. Et ça fait en sorte que tu t'en bats les steaks. Il y a un personnage qui meurt à la fin, pis t'es comme, je m'en fous qu'il meure, je m'en bats les couilles, mais totalement. Donc bref, euh l'histoire se termine par la fin de l'épidémie c'est pas mal ça ils se promènent un peu partout il y a des on est comme, ah, il y a des rats qui sont morts c'est signe que la peste est là oh, on recommence à avoir des rats c'est signe que la peste se calme genre t'es comme oh seigneur mais qu'est-ce qu'on en a rien mais rien à foutre fait que, bref il euh, n'y a aucun moyen de s'attacher au personnage il n'y a aucun moyen de s'attacher à la narration il n'y a aucun moyen d'apprécier le roman parce que même si tu l'étudies en avance ben une fois que t'as compris ben t'as plus rien à apprendre du livre tout simplement. Je dis pas si par exemple tu finissais par le comprendre par toi-même en lisant, mais c'est tellement mal écrit que c'est impossible que tu puisses apprendre. Parce que la lecture est trop inintéressante. Malheureusement. Fait que, ben, malheureusement, ce que je suis obligé de vous dire, c'est que ben c'est un livre que je ne peux même pas vous recommander. Puis j'en ai parlé avec une de mes amies qui avait déjà lu deux livres, puis elle me dit, ben, Camus, c'est ça. C'est ça du Camus. C'est pas bon. C'est des classiques, les gens elles, se disent Ah ben si on va les lire, etc. Mais à part l'Inkipid dans l'étranger, maman est morte aujourd'hui. Euh, on s'en fout. On s'en fout en fait. Là. Ok, ça marque, mais sans plus. Fait que bon, voilà. C'était le tour de mes lectures pour euh, le mois. Fait que euh, ben, malheureusement, j'aurais aimé ça. Apprécier un peu plus les livres. Tu Il sais, y en a deux que j'ai vraiment appréciés, puis Un que j'ai apprécié correct puis les trois autres je les ai pas aimés en fait pas du tout en fait c'est euh, la peste d'Albert Camus je les ai pas aimés je l'ai pas aimé Miles Cameron chevalier rouge j'ai pas aimé ça euh, Steven Juboski il m'a frustré à la fin parce que j'étais mes attentes ont été complètement déçues même si j'ai apprécié la lecture en elle-même pendant que je la faisais à la fin les attentes m'ont tellement déçu que voilà euh, tu euh, Francisco de Fitzgerald, très bon Très bonne recommandation. Pour vrai, les deux romans que je recommande, c'est Le Magnifique Gatsby et Le Labyrinthe de Pain. C'est les deux meilleurs que j'ai lus ce mois-ci. Puis je souhaite vraiment que vous les découvriez si vous ne les avez jamais lus. Fait que. Ça ressemble à ça. Euh, pour le mois prochain, je ne vous donne pas de livres que je vais lire parce qu'ils sont pas mal tout en train de se faire emballer. Fait que je ne pense pas être capable de lire de livres pour le mois de février. Fait que ce qui va arriver, c'est que je vais revenir en. Ben, je vais pas revenir en mars en fait. Je vais revenir beaucoup plus tard. Je vais revenir plus tard, puis je vais arriver avec euh, je vais arriver avec un nouveau livre ou de quoi de même. Je vais, je vais trouver quelque chose. Puis peut-être que je vais lire un petit peu en février, mais pas assez pour faire un review de lecture avec 5-6 livres. Fait que Ce que je vais faire, c'est qu'en avril, bien, je vais vous parler des livres que je vais avoir lus en mars et en février. Fait On va faire un combo à plusieurs, puis ce sera ça. Fait que, pour l'instant, je sais pas du tout ce que je vais lire. Mais je sais qu'à la base, les livres que je m'étais donné pour lire en février avant de savoir que j'allais déménager de manière prématurée. J'avais prévu de lire un Stephen King avec Salem. Euh, J'avais prévu de lire de lire euh, Fire and Blood de Game of Thrones, donc la fantasy de Game of Thrones. Donc, euh, ben c'est les livres qui ont inspiré la série House of the Dragon en ce moment. J'avais prévu d'ajouter ça dans ma lecture. Je vais essayer de les intégrer, puis de, de les lire justement, puis d'être prêt pour le mois d'avril, quand ça va être le temps de vous les présenter. Puis sinon, ben, euh, je m'étais rajouté, je crois, un autre chose, un autre classique, mais je ne suis plus certain de me rappeler c'était lequel. Mais je vérifierai. Puis euh, je vous arriverai peut-être avec une dizaine de romans pour euh, le mois, mois d'avril. Fait que, sur ce, je vous remercie d'avoir participé et écouté un petit peu. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement. Et on se revoit bientôt. Salut!